Hey, bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien, c'est Caléon. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On a repris les tutos et c'est encore Dimash Kulibaryan que je vais suivre parce que j'ai beaucoup de choses à rattraper sur ce qu'il a fait. Et on m'a conseillé un live d'une chanson qui s'appelle Stranger. Alors avant toute chose, j'espère que vous portez bien, j'espère que vos santé vont bien, j'espère que ma chaîne vous plaît toujours. Et on commence de suite avec Stranger et on va un petit peu interagir avec ce qu'il a fait. La couleur de cette chanson, parce que je pars à l'inconnu. Je me connecte. On y va. Je sens qu'il va nous surprendre. Très guerrier l'introduction, j'aime. Ça fait très film, de guerre un peu. Thank you.
avec des potes, hein, avec des potes, et puis j'ai tout, des potes, des potes. Peut-être, mais en tout cas, il y a du playback dedans parce qu'à un moment, il a ouvert la bouche, le son n'est pas sorti. Enfin, voilà, il y a eu. Bref, la chanson est très très intéressante et c'est marrant parce que les deux dernières chansons, les deux tutos que j'ai fait, je trouve qu'il va beaucoup dans quelque chose qui est très spirituel. Voilà, je vais pas dire religieux, mais quelque chose de très spirit, très era. Et encore une fois, il montre vraiment tout l'étendue vocale qu'il a. Ce balandant de là, il y a vraiment un écart de d'octave qui est assez impressionnant. Ce qui fait des notes. Il monte super haut. Donc il doit y avoir, je pense qu'on se balade entre. Il doit y avoir 3 octaves, 4 octaves de. Je pense. À l'oreille, il se balade sur 4 octaves là, dans la chanson. Mais peut-être je me trompe. Vous allez me dire, vous, à la maison, cette histoire, l'histoire de cette chanson, si elle vous plaît, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce que vous aimez moins aussi. Vous avez le droit de me dire des choses que vous aimez moins chez Dimash. Mais connaissant la team Dimash, il n'y a pas grand-chose à dire de à améliorer, voilà, c'est quelqu'un qui donne, qui est très généreux, qui donne énormément, et c'est tout ce que l'on aime, moi, chez un artiste, donc chapeau bas et bravo encore, et merci à vous, cette belle communauté que vous me suivez, je suis très reconnaissant de cela, et je vous le dis à chaque fois, mais vraiment prenez soin des gens que vous aimez, prenez soin de vous, c'est important aussi de parfois être égoïste pour recevoir un maximum. Pour avoir à donner des choses, il faut aussi pouvoir se les construire en passant du temps avec soi-même, c'est important. Et en prenant soin des gens que l'on aime. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.